Salut, salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau sur Injustice 2 et aujourd'hui, nous allons attaquer le chapitre 9 qui s'intitule Le dernier espoir de Krypton. Alors, il devrait être légèrement plus long que le chapitre 8 parce que j'avoue que le chapitre 8 était très très court. Mais bon, voilà. Allez, c'est parti, on y va. Mais qu'est-ce qui te prend, Kara? Je t'arrête avant que tu fasses une erreur. Cette lunatique mérite la mort. Peut-être, mais elle est sans défense. Elle n'a pas eu de procès. Tu m'as dit que les Amazones se battaient avec honneur. Allez, c'est parti! Ouh la vache. Ah, ça commence bien. Tiens, fais du lèche-vitrine. J'aime bien les coups de fouet. Ah, ça me motive, ça. Hop, la merde. Oh. Et, oh, arrête de m'envoyer dans la statue. Oh, merde. Putain. Franchement, j'aurais pas cru pouvoir esquiver ce coup, parce que je l'ai vraiment fait de la dernière seconde. À mon avis, ça s'est pas joué à grand chose. Mais arrête de m'envoyer dans cette statue. Sans déconner. Tiens. Et retiens. Hop là, t'as cru que j'allais t'attaquer par des vins? Je suis une fourme. Je suis une petite fourme. Tiens, moi aussi je peux le faire. Gourgandine. Ah ouh. Tiens. Il se balance ses objets, mais d'une violence. J'adore. Je te faisais confiance, Diana. Tout va bien se passer. Fais un docteur. Cal te protégera. Superman. Oh, blondinette. T'es marrante. Quelque chose? J'ai analysé les données kryptoniennes comme tu voulais. T'avais rien raté. C'est juste qu'ils avaient pas de solution pour Brainiac. Il doit y avoir quelque chose. Un angle mort, un point faible. La force brute ne suffira pas. Si tes pouvoirs sont rétablis, je ferai mieux d'aller à Kandak. M'assurer que ses défenses sont en place. Brainiac ne l'a pas encore attaqué? La magie du rocher de l'éternité masque Kandak aux yeux de ses ennemis, même à ceux de Brainiac. Mais il finira bien par la trouver. Cal, il faut qu'on parle. Laissez-nous, s'il vous plaît. Damien m'a tout raconté. Est-ce que Diana va bien? Elle va bien. Mais elle allait tuer Harley de sang-froid. Je ne l'ai jamais vue dans cet état-là. Oui, c'est regrettable. Je sais. Qu'est-ce qui lui a pris? C'est regrettable que Diana ait choisi de s'occuper d'Harley maintenant. Et que tu te sois interposé. Quoi? Le Joker a corrompu l'esprit d'Harley de façon irréversible. Quand elle basculera, des innocents mourront. Des innocents meurent maintenant! Elle était en train de nous aider! Ne sois pas naïve, Kara. Harley est une criminelle. Mon seul tort est de ne pas m'en être occupé avant. Diana m'a dit que le Joker avait été exécuté. Est-ce que c'est toi qui... J'ai pris une vie pour en sauver des millions. Tu n'en as pas pris qu'une, Cal. Pas vrai? Combien? Dis, combien? Partout où je vais, les gens ont peur de ça. Maintenant, je sais pourquoi. Ce n'est pas ce que j'aurais voulu, mais les humains... Ils se massacrent depuis des millénaires. J'ai mis un terme à cette violence. Les humains ont besoin de leaders forts. Nous devons les sauver d'eux-mêmes. De qui es-tu le fils? Jor-El? Ou le général Zod? Kara ne doit pas quitter la forteresse. Attends, Kara. Je me rends compte que ton père a peut-être eu raison de te faire enfermer. Superman a plus été un père pour moi que Batman le sera jamais. Allez, c'est parti.
Je vais te faire du karaté. Ou du karaté. Si vous avez compris les jeux de mots. Je sais c'est pourri mais c'est mon humour. Je n'y peux rien, je suis comme ça. Et toi arrête de me taper là-haut, arrête. Avec ton bâton là tu t'es pris pour Nightwing ou quoi? Tiens, no. Ah oh, hé hey. Ah, ouf. Je peux pas faire une attaque en avant là, vachement rapide. Bon, c'est pas grave. Oh la vache. Petit coquinou. Oui, c'est ça, regarde, bouffe-moi ça, on en reparlera après. Tiens. Oh no. Voilà comment on règle la délinquance ici. Un coup de pied dans la gueule, mon gars. Petit branleur, va. Faut mieux d'écouter ton père. Aïe, mais... Les chiens avec son bâton, là. Mais... Oh, mais c'est pas possible. Tiens. Oh, mais oh. Je vais te calmer, moi, petit voyou, va. Oh, super. Oh, et il va se calmer, là, le moldu. Mais oh. Cal devrait donner un meilleur exemple. Tu vas te rendre, Kara Zor-El. Depuis que tu m'as trouvé, tout ce que tu m'as dit, des vérités voilées, des mensonges, tu masquais tous tes méfaits. Tu vois le monde comme un enfant. Le bien et le mal ne sont pas une constante. Leur sens dépend de ceux qui ont le pouvoir. Oh non. Mais je sais pas ce qu'ils ont voulu m'envoyer dans les statues là, c'est ouf quand même. Ah bah ok, c'était pas du bon côté. Mais c'est pas grave. Tiens, hop. Ah mais c'est chaud hein. Là j'avoue que ils m'enchaînent bien les coquinous. Oh oh. Ah et puis là Bon à mon avis ça va être tendu quand même. Oh. Mais ah c'est pas possible. Oh la vache. Allez, on y croit. On se concentre. Oh, mais c'est pas possible. Mais arrêtez d'esquiver ce coup. Oh la vache. Ça va être chaud. Là, il va falloir que je gère. Bon, mais j'ai rien dit, à mon avis. Je vais l'avoir dans l'eau. C'est... Ouais. Oh là 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 là. Allez, on réessaye. De toute façon, si je veux continuer l'histoire, je suis obligé. Leur sens dépend de ceux qui ont le pouvoir. Allez, c'est parti. Revanche. Ah, ah là, je t'avais vu venir là, hein. Petit sacripant, on va. Hop là. Ah, je suis en train de combattre et je regarde le décor, mais vous voyez bien, moi. Ah là tu m'as énervé mon gars. Ah je te laisse pas de répit moi. Attention. Allez, ça dégage. J'ai une vengeance à reprendre sur toi mon petit Black Adam. Allez. Oh mais oh. Je veux bien être gentil mais à un moment donné stop aux conneries. Je n'ai peur de rien ni de personne. Non, je n'utiliserai pas mes trucs, c'est mort. Je préfère que tu récupères de la vie.
De toute façon, vu comme je suis chaud patate là, mon gars, je vais t'en mettre plein la tronche. Ou tu vas m'en mettre plein la tronche, je sais pas trop encore, mais l'avenir nous le dira. Ah, mais Oh, ouais. Genre, ça m'a touché. J'ai vu que c'est passé à côté. Allez, c'est parti. Aïe. Oh, je l'ai même pas touché. Non mais c'est l'air ça. Comme la paume de Bouddha, c'est pareil. Écoute-moi, en pleine prie. Je regrette de pas avoir été là, de pas avoir pu t'aider. Mais Métropolis n'était pas ta faute. Je me suis promis que ça n'arriverait plus. Mais on n'est pas comme ça. La maison des Hells n'est pas régie par la peur. L'espoir ne suffit pas pour sauver le monde. Sans moi, il serait déjà mort. Mais ce lunatique de merde, mon gars, mais quel bipolaire ce Superman. Ah, un coup il est gentil, puis d'un seul coup, t'es pas de mon côté. Ah, c'est je t'aime moi non plus, quoi. Ah non, mais... Ça, c'est le genre de gars, c'est... Tu veux jouer avec moi deux secondes après? Non, j'ai plus envie de jouer. Eh ben, moi, c'est pareil. Aïe. Mais arrêtez de me balancer dans ces satanées statues, mais c'est pas possible. Tiens. Ouais, je suis en train de me faire botter le cul depuis tout à l'heure, là, c'est incroyable. Et en plus, tu m'as coupé la parole. Tiens, merde. Mais, c'est pas possible. Mais, quand même. Mais... Non, mais vous êtes sérieux, là? Eh, moi aussi, je peux le faire. Hein. Oh, c'est la triche, là. Je m'étais protégé, moi. Ah là là, la branlée que je me prends depuis tout à l'heure. Je me suis fait déglinguer par Black Adam. Maintenant, c'est Superman qui va m'en foutre plein la tronche. Eh ben, sur Terre, on appelle aussi ça une raclée. Tiens. Ah, j'en fais des caisses, hein. Oh non, mais c'est pas possible. Il va se remettre de la vie. Quelle truffinade. Allez. Vas-y, achève-moi. Bah voilà. C'est incroyable. Bon allez, je me concentre un petit peu là quand même, parce que ça fait deux combats en une vidéo que je perds. Et c'est pénible. Tiens, le petit coup de pied pour amortir la chute. Excusez-moi. Ah, je suis concentré de ouf là. Oh 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 oh. Calme-toi, Kal-El. Ah, tu l'avais pas vu venir, hein. J'ai fait un tour de magie. Oh merde. Hop. Ah putain, ça m'a eu. Ah, je suis dégoûté. Alors je trouve que dans les coups spéciaux, c'est quand même celle de Superman qui est la mieux. Je la trouve tellement stylée quand il est dans les airs et tout. Allez, allons faire le tour du soleil. Alors là, mon gars, s'il a pas fait le plein de force. No. Santer Mentos, Daily Pressure. Ah, j'espère qu'elle a bouffé du chewing-gum avant.
Allez, bim! Non mais oh! Je peux t'aider. Pense à tout ce que tu as perdu, Kara. Et si tu avais pu sauver Krypton? Il a commencé l'extraction des villes! Il faut riposter. Je dois aller protéger Kandak. Va, on se dirige vers Métropolis. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Tout ce qui compte pour l'instant, c'est Brainiac. Mais quand ce sera fini, tu devras faire un choix. Tu seras avec moi ou contre moi. Je ne peux rien faire. Pourquoi vous m'empêchez de me battre? Qu'en sera-t-il de l'ordre si Brainiac gagne? L'humanité nourrit le chaos. Brainiac incarne l'ordre. Superman et Supergirl seront bientôt là. Les autres affrontent la flotte. Vous ne devrez pas être à Gotham? Brainiac contrôle toute la flotte depuis le vaisseau crâne. Si on l'abat, ils tomberont tous. Contact, droit devant. Il nous donne une ouverture. Verrouillage sur le vaisseau crâne. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le champ de force de Brainiac génère une boucle de renvoi cinétique. Donc plus fort on le frappe, plus fort il riposte. Kara! Sont neutralisés. Terminez l'extraction. Elle est tellement stylée, la tenue de Superman. Non.
Le champ de force concentre son énergie à ton point d'attaque. Si tu arrives à le prendre de vitesse, tu pourras le franchir. Compris. J'ai pas trouvé son corps. Je n'entends plus son cœur. J'étais censée le protéger. De ça. De toi. Maintenant, il est mort. Je suis sûre que c'est une bonne nouvelle pour toi. Il me manquera aussi. Tu me penses vraiment ? Il a été mon ami. Je lui ai confié ma vie plusieurs fois. Mais le Joker s'en est pris à lui, et je n'ai pas pu l'arrêter. J'ai perdu mon ami Clark. Et... depuis ce jour, il me manque. Atlantis. Perdu. Je n'ai pas écouté. Maintenant, nous allons tous mourir. Il est trop tôt pour abandonner. Quelqu'un sait où sont Beetle et Firestorm ? C'est de ta faute, Bruce ! Cal et moi, on aurait pu battre Brainiac. Tu aurais dû suivre nos ordres. Arrête, Diana ! Des millions de gens sont piégés sur ce vaisseau. Il faut qu'on les sauve. Pas avec lui. Quel discorde. Pas étonnant que les humains n'aient pas encore étendu leur civilisation au-delà de leur petite planète. Tu appelles juste pour ça? Mes bêtas prennent position sur toute votre planète. Dans une heure, ils exploseront à l'unisson, brûlant l'atmosphère terrestre et transformant la planète en lune désertique. Sauf si... vous me livrez Kara Zor-El. Elle est la seule survivante de Krypton. Et ma dernière chance d'étudier les effets d'un soleil jaune sur les cellules kryptoniennes. Livrez-la moi, et j'épargnerai votre monde. Même si tu étais digne de confiance, on n'accepterait pas ce marché. Vous avez une heure pour y réfléchir. Merci de donner sa chance à la petite nouvelle. Je devrais aller me rendre. Non. On trouvera un moyen de percer les boucliers de Brainiac. Il le faut. On peut essayer de les court-circuiter, mais il nous faut une quantité d'énergie démentielle. La science n'est peut-être pas la solution. Donc il pourrait être vulnérable aux attaques magiques. Je peux tirer une immense quantité d'énergie du rocher de l'éternité à travers le passage de Kandak, mais il me faut un artefact, un support pour la canaliser. Quelque chose qui résiste à cette puissance. Pourquoi pas le trident d'Atlantis ? Oui, ça peut marcher.
Bon, on neutralise ses boucliers et après. D'après Cyborg, Brainiac contrôle le vaisseau par la pensée. J'ai bien réussi à le déconnecter de l'œil. On peut peut-être créer un brouilleur qui bloquerait son réseau neuronal. Si vous neutralisez les boucliers de Brainiac, on pourra désarmer les bombes bêta. Ce sera notre plan. Aquaman, Adam, vous allez à Kandak. Et voilà, le chapitre 9 est maintenant terminé. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en regardant cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de mettre un pouce en l'air, un commentaire, et bien sûr de vous abonner à ma chaîne si ce n'est point déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 10 de Injustice 2. Allez, salut !